Salut, salut! Alors aujourd'hui, je reviens pour une deuxième vidéo. Commence pas à bouger sur ton pouf. Je suis là! Pour une deuxième vidéo solde. Donc je voulais vous montrer. Alors c'est pas all solde parce que j'ai pas acheté que. Je n'ai pas acheté que des vêtements ou du maquillage. J'ai acheté d'autres petites bricoles. Bon, il n'y a pas grand chose. Mais je voulais vraiment vous la faire avant la fin des soldes. C'est quand la fin des soldes? Fin du mois là. On est déjà à la fin du mois. Fin février? Oui. Ah, mais c'est bon, c'est fin février, vous avez le temps. Oui, je crois. Hein. C'est un mois et demi les soldes, c'est pas un mois. Ça a commencé le 7. Parce que je voulais vraiment vous faire le all solde. Ça, c'est pas un truc de solde, ça. Je sais pas pourquoi je l'ai mis là. Je ferai plus tard ça. Vous montrer avant que les soldes soient terminés avec mon nouveau décor. Je sais pas si ça vous plaît, ma petite table. Et du coup j'ai mis ce fond là. La dernière fois on avait mis un noir avec Tissène et là du coup j'ai mis ce fond là. Ça fait et mieux avec lui, je trouve. Je suis en pyjama. Hein? Ça fait mieux avec lui. Ouais. Parce que là ça faisait foncé. Je suis en pyjama parce que c'était pas prévu que je fasse cette vidéo, mais je me suis dit je fais la vidéo sol, comme ça je peux ouvrir les paquets, m'en servir et ouais, m'en servir. Donc on va commencer par les habits. Alors. Ah oui, c'est intéressant. J'ai acheté chez. Ah attendez, je fais un petit tri. J'ai acheté chez Calliope. Calliope, je ne connaissais pas. Je l'ai trouvé chez nous à Saint-Aurès. Non, c'était à Fenouillet, pardon. À Géant-Fenouillet, je ne connaissais pas du tout. Voilà. Donc, j'ai juste acheté un truc. Alors, en fait, j'ai juste acheté une chemise de nuit. Je ne l'ai pas encore mise parce qu'elle me sert un peu. Et comme je fais le régime, que là, j'ai maigri, elle commence à bien m'aller. Mais pour l'instant, elle ne me va pas encore. Je ne peux pas le dire. Donc, j'ai acheté une chemise de nuit. Je la trouve trop belle. Voilà, elle est comme ceci et en fait elle est longue. Ah ouais, okay, ouais, c'est bon. Avec de la dentelle là sur le côté, elle est ouverte. Que d'un côté non? Ouais, elle est ouverte. Ouais, que d'un côté. Et ouais, je la trouve trop belle. Dos nu derrière, trop belle. Et en fait, elle était à moins 60%, je l'ai payée. Moins 66%, je l'ai payée 9,99€ à la place de 30€. Mais elle est belle. Hein. Quand je vais la mettre, je vais être belle. Quand elle va m'aller. Ensuite, en vêtements, je suis allée. Alors, ça, j'ai profité du bon plan de Nesma sur Instagram. Moi, je suis une fille qui s'appelle Nesma. Trop gentille. Et elle partage que des bons plans. Et elle avait partagé ce bon plan là-bas. Faut que je lui fasse la petite story Instagram. Elle a identifié dessus parce qu'à chaque fois, elle aime bien quand je fasse ça. Donc, alors, Calzedonia, il y avait une petite promo. C'était les 10 paires de chaussettes à 10€. Alors les frais de port c'était en plus, mais moi comme j'ai fait la livraison, puisque j'ai un Calzedonia dans ma ville, j'ai fait la livraison dans ma ville, donc du coup j'ai pas payé les frais de port, ça m'a fait 10€ tout rond. Mais sinon je crois que c'est 3,99€ les frais de port. Donc moi j'ai payé 10€. J'ai pris des différentes. Alors j'ai pris celle-ci, voilà, j'ai pris celle-ci avec l'étoile. Ensuite, j'ai pris, alors ça par contre c'est, alors je vais essayer de l'ouvrir. Ça, vous n'allez pas comprendre ce que c'est. En fait, c'est les espèces de chaussettes là pour mettre dans les baskets ou dans les ballerines. Comme ceci. Sauf que ça, ça se met par-dessus la cheville. En fait, ça fait un petit truc en plus. Un petit décor si on met des ballerines, quoi. Des escarpins, je sais pas. Peut-être. Parce que les ballerines. Quoique les. Ouais, essayez. Je les ai trouvées jolies sur le site parce que la fille les avait essayées. Avec une paire de baskets, peut-être ça peut donner quelque chose. Ouais. À voir. Ouais, ouais, à voir. À voir. Mais voilà, ça fait, en fait, ça vient autour de la cheville. Bon, je me suis dit que ça donnait un petit truc en plus. Moi, je pense que ça fait comme si tu avais un bracelet à la cheville. Donc, ah, ouais, voilà. Ça peut faire joli, ouais. Ouais, puis ça va autour de la cheville. Avoir porté. Oh non, j'ai oublié de me raser les jambes. Bah. Ensuite, j'aimerais bien vous montrer mon. Non, on a vu mon pied, quelle horreur. Moi, je voulais vous montrer mes poils, mais on va oublier. Ensuite, j'ai aussi acheté celle-ci avec cette étoile-là. C'est pas la même étoile que l'autre, parce que là, c'est une étoile comme ça. C'est pour nous deux, hein. Oui, oui, c'est pour les deux. Et là, c'est pas la même étoile. Non, j'ai envie d'essayer, mais attends, tu fais ton petit. Bouge pas trop, tu vas me faire du bruit. Non, je bouge. Ensuite, j'ai pris celle-ci avec le nœud papillon, mais il y a la petite étoile qui pend. On les avait déjà, mais elle avait oublié. Ouais, j'avais oublié. Du coup, on aurait une paire chacun de celle-ci. Parce qu'on en avait qu'une paire. On en a acheté deux. Une. C'est marqué là dans mon armoire. Ensuite, j'ai pris la bleu marine. Et ça, par contre, le petit nœud, il est en cuir. Enfin, en cuir, en sky. Et c'est très joli, ça. Ça, porté avec des baskets, ça doit être beau, quand même. Ça donne comme ça, avec un pantalon à pince. Ouais. Ça donne ça. Ouais, regarde, ça fait joli. Regardez. Hop là. Titit. Ouais, ça va. Ouais. Ensuite, j'ai pris, pareil, des noirs.
avec le petit nœud en imitation cuir noir. C'est vrai, elles sont grave belles, mais le problème c'est moi ce que je me pose comme question c'est comment, avec quoi le mettre, tu vois? Parce que genre vu que le pantalon, enfin les pantalons ils sont, elles sont quand même hautes si, si, quand même. Mais les chaussettes elles sont basses, elles sont pas hautes. Tu vas pas mettre les chaussettes, je comprends les. Oui mais elles sont pas très très basses, elles sont pas hyper basses. Et tu les baisses un peu. Voilà, bon. Faudrait essayer. Ensuite, j'ai pris celle-ci. Elles sont trop belles celles-là. Ouais, elles sont jolies, ça. Ça fait une petite dentelle mais en imitation cuir, simili cuir. Mais qu'est-ce qu'on... J'hésite. Il y a l'orage. Oh, oh non, de Zeus, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a l'orage en direct. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'orage. Oh. Oh, j'aime l'orage, je vais aller me coucher. J'aime, j'aime être au lit quand il y a l'orage. Ah ouais, moi, tu vas aller me mettre au lit. Finissons vite. Ensuite, celles-ci, elles sont belles aussi. Tu m'as dit qu'elles étaient bizarres. En fait, celles-ci, elles sont comme ça. Et en fait, ça... ça se porte plissé sur la cheville. Ouais, ça fait plisser comme ça. Elles sont jolies parce qu'elles sont... Elles sont un petit peu pailletées. Qu'est-ce qu'il y a demain? Si je m'en vais. Elles sont un petit peu pailletées. Elles sont super jolies celles-ci. Ensuite. Ah si, plus demain, génial. J'ai pris celle-ci avec le nœud, les nœuds sur le côté. Donc après, n'hésitez pas à aller voir sur le site là, Calzedonia, s'il y a toujours les promos. Parce que elles y sont aussi en magasin, je savais pas. Et ensuite. Je crois que c'est la dernière. Ouais. Et ensuite j'ai pris celle-ci en gris. Belles, celles-là. Elles sont belles aussi. Avec l'espèce de petite dentelle. Alors en sachant que toutes les chaussettes que j'ai pris, il y en a de. Il y a d'autres couleurs. Il n'y a pas que ces couleurs-là, il y a d'autres couleurs. C'est vrai qu'elles sont belles celles-ci aussi. Sachez que la paire de base à Calzedonia, c'est entre 3 et 5 euros. Ouais, 3 et 5 et 6 euros. Parce qu'il y en a 5,99. On va dire entre 2 et 6. Ouais, et du coup, je les ai toutes payées 1 euro aux pièces. Voilà. Ça c'est pour les vêtements. Ensuite, ce que j'ai acheté, alors tout à l'heure on était allé à Nocibé et on a trouvé plein de petites bricoles. Alors déjà à Nocibé, grâce à Nesma toujours qui fait les bons plans sur Instagram, je suis allée, j'avais le droit à ça en cadeau. Alors à la base je suis allée juste chercher mon cadeau, en fait juste avec une capture d'écran. On y allait et puis ils nous offraient le lait parfumé La Nuit de Trésor de Lancôme et ça sent super bon. Mais qu'est-ce que ça sent bon. Oh, ça sent vraiment bon. Donc c'était cadeau et il y a quand même 50 millilitres, hein, c'est pas peu. Donc ça, je suis allée et on a aussi eu ça en cadeau. On a aussi eu le petit parfum. Bon, ça c'était pas prévu parce qu'en fait j'ai fait deux Nocibé. C'est parce qu'il y avait ma cousine aussi. Ouais, j'ai fait deux Nocibé. En fait, dans celui-ci il n'y avait pas, donc du coup elle m'a donné ça à la place. Et quand je suis allée au magasin, j'ai vu qu'il y avait un Nocibé dans une zone commerce, dans une galerie. J'ai demandé s'il avait, c'était le dernier. Donc j'ai eu de la chance. Ben, du coup, la copine à Tissène, elle nous a donné ça. À la place de... Moi, je préfère ça. Toi, tu préférais avoir le lait. Ouais, moi, je préférais avoir le lait. Moi, je trouve que c'est mieux d'avoir un parfum, dans le sac et tout. Ouais. Ouais. Et là, c'est 10 millilitres. C'est déjà bien. Bah ouais. Mais ça, chez Zara, vous en achetez. Ça coûte à peu près 6 euros chez Zara et tout le monde en a de ça. Ouais. Et avec la petite bille. Donc alors, en promo, j'ai trouvé... Enfin, Tissène a trouvé. Un espèce de... C'est un espèce de kabuki. Mais qui fait double emploi. J'essaye demain, je te dis si c'est bien. Ouais, demain t'essayes, tu dis si c'est bien. Alors en fait ça fait double emploi, c'est-à-dire que ça a deux pinceaux. Comme ça. Ouais. Comme ça, non? Non, l'autre. Non, comme ça. Ouais. Ouais, comme ça. Ouais, comme ça. C'est-à-dire que dans le noir, vous mettez bronzer. Le bronzer. Et dans celui-ci, vous mettez le fard à joues. Et quand vous faites ça, ben, ça vous fait directement le contouring. Montre comment ça fait, ouais, sur si la si. Alors ça, on l'a payé. Je l'ai payé. Oh, c'est trop bien. 5,98€ à la place de 19,95€. Il était à moins 70%. Donc c'est pas cher, hein. C'est trop bien, si c'est bien, t'en prendras un aussi. Ouais, si c'est bien, j'en prendrai un autre. Ensuite, on a trouvé un petit rouge à lèvres de chez Nocibé, la marque Nocibé. Alors je ne l'ai pas du tout ouvert, mais par contre la couleur elle est canon. Elle était à moins 70, il était aussi. Ouais. Il était aussi à moins 70%. Il n'y a pas de prix. Tu l'as payé 3,58€ au lieu de je ne sais combien. C'est 3,58€, j'en suis sûre, parce qu'il y a une dame, elle a demandé et elle lui a dit le prix. Ouais, il était à 3,58€ à la place de... Il est où? 11,95€. À la place de 12€, je l'ai payé 3,58€. Il est magnifique. Et regardez comme il est beau. Il n'y a qu'un embout Ouais, par contre, il n'y a qu'un embout, il ne se rentre pas. Donc, c'est un super beau rouge. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. C'est un super beau rouge, je ne vois rien... Un zoom. Ça sent bon dans la poche. Et pour terminer, on a trouvé. Alors, ça, je le voulais. On est trop contente, mon petit Sam. On a trouvé les. Vous savez, les gloss du Karl Lagerfeld. Mmh.
pris celui-là, le tien. Attendez, Tissane, elle a pris le Princesse Choupette. Ouais, dans le magasin, elle me faisait, tiens, Tissane, prends le Princesse Choupette. Et moi, j'ai pris le plus foncé. Alors, en sachant que avec la tête... plutôt, non? Non, il est plus foncé, le mien. Avec avec la tête noire, c'était les mats. Avec la tête irisée, c'était les irisés. Et avec la tête argentée, c'était les transparents. Et ce qui est bien... Regardez comme elle... Regardez, puisque je suis devant. Mais là, ça se voit pas. Il faudrait que, tu sais... Il y a un petit miroir aussi. Ça va faire la mise au point sur moi. Bon, j'ai une tête... la catastrophe. Et regardez. Rien. Il y a le petit miroir. Il y a le petit miroir. Où tu vois le miroir? Là, il y a le petit miroir. Ah oui, effectivement. Il y a le petit miroir aussi. Donc, c'est génial, ça. Voilà. Regarde. Et moi? Non, bah, c'est mignon avec la lumière comme ça. Mais une fois que la lumière, elle meurt... Il y a des piles. Il ressemble à la couleur de ton tatouage. Ouais, il est joli parce qu'il est... et c'est des mats. Ils sèchent, ils deviennent mats. Ils sentent bon. Donc ça, c'est le Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld. C'est exactement la même couleur que celui que j'ai acheté chez NYX. Ils sentent bon. Voilà, mais ils sont mignons, c'est original. Ouais, fait qu'il y ait la lumière. Et ça, donc je l'ai payé à la place. Ils étaient à moins 70%. Et je les ai payés combien? Au lieu de 6 euros au lieu de 20 euros. Voilà, 6 euros au lieu de 20 euros. Ça vaut le coup. Ouais. En sachant qu'on voulait les acheter à Galerie Lafayette, tu te rappelles quand ils sont sortis, ils étaient tous étalés. Je dis, ils sont trop beaux. Finalement, je les avais vus aussi à Saint-Torens, le CIB. Et pour terminer, j'ai acheté de la décoration pour la maison. Donc ça, je vous l'avais fait. Colle pas? Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai acheté de la décoration pour la maison. Donc j'ai acheté à Jiffy ce cadre-là. Ce cadre-là, je l'ai payé 1 euro et des poussières. Je sais plus exactement combien, mais je sais que je l'ai payé 1 euro et des poussières. Et à la base, je voulais les mettre derrière moi. Mais finalement, je trouve que ce fond, il est beau. Et j'ai pris aussi assorti au cadre, parce que je voulais que ça soit quand même assorti. Vous voyez ? C'est rose et dans les mêmes tons. J'ai pris les trois cadres comme ceci, toujours à Jiffy. Et ça, c'était 2 euros de poussière, ce qui fait que les deux, je crois, je les ai payés moins de 4 euros. Mmh. Donc, on va faire quoi du coup? Je sais pas. Je les prendrai un jour quand je déménage. Je crois que je trouve un endroit où les mettre. Ensuite, j'ai acheté en promo, chez But, cette lampe qui s'éclaire, ce petit arbre. Il était à 8 euros. Il était à 8 euros. 6 ou 8. 8 je crois. Ouais, il était à 8 euros à la place de... Il était à moins... 50 non? Ouais, moins 50 je crois. Je crois qu'il était à 8 euros à la place de 20, un truc comme ça. J'ai acheté ça. Et le truc que j'adore, c'est ça. Ça, je sais pas si vous allez le voir. Mais je sais pas si vous voyez à l'intérieur. Tissène, peut-être que tu vas faire le truc. C'est une... Bon, on a mis les doigts dessus. C'est une étoile. Effet relief. Ah là, vous le voyez. Effet 3D. Là, vous voyez. Oh, salut. Elle est belle. Et du coup, on dirait que c'est en profondeur. Ouais, c'est trop beau ça. C'est à pile. Et ça, je l'ai payé 5 euros. À But. Ouais, je l'ai payé 5 euros à But. J'adore, elle est trop belle. Donc voilà, après, moi, j'ai acheté la table. Là, mais elle était pas. Si, j'ai acheté la table à 19 euros. Elle était en promo. Je sais pas si on la voit. Tu veux que je baisse? Là, vas-y, baisse un petit peu. Là, dans mes yeux, vous baissez un petit peu. Elle est avec plein de petits dessins. Elle est jolie, elle est blanche. Je la trouve jolie. Voilà. Donc voilà, ça c'est la fin de mon vlog. La fin de ma vidéo solde. Le rideau est tombé. Voilà, c'est la fin de ma vidéo solde. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura donné des petites idées. J'espère que du coup vous allez courir au magasin chercher tout ce que je vous ai montré. Et puis voilà. Donc avant, on va aller chercher ça. Avant de mettre la vidéo, on va aller chercher ça. Parce qu'à chaque fois que je fais un snap et que je parle d'un bon plan ou d'une promo ou quoi que ce soit à côté de chez moi, ben tu peux y aller, que j'y vais l'heure d'après, il n'y a plus rien. Tout le monde est parti en courant. Ouais. Ouais. Ben on ira fait demain au pire. Ouais. Voilà. Parce que tu dois aller chercher ton colis demain. Ah oui, à Auchan. Ouais. Ah oui, il y avait. Non, c'était pas un promo. C'était pas un promo, c'était un bon plan aussi. C'était pas un promo. J'ai acheté un savon chez l'Occitane. Bon ben voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez aimé, est-ce que vous avez déjà essayé tout ça, est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait toutes ces soldes là, est-ce que vous avez été voir, voilà. Est-ce que vous connaissez aussi les Karl? S'ils sont bien, s'ils tiennent bien. S'ils sont bien ou pas, ouais.
Celui que j'ai mis sur la main, j'ai fait la vaisselle et tout, j'ai frotté, il est toujours. Oh non, je vais devoir m'abîmer les lèvres pour l'enlever. Voilà, donc je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et oui, dites-moi si le décor vous plaît aussi. Est-ce que c'est beau comme ça? Avec mes petites crocs toutes belles là. Dites-lui non, parce que sinon elle va se la péter. C'est trop bien les rouges à lèvres où il y a un miroir. Je suis pas en galère. Ouais, on bon allez, on va vous laisser là. Bye bye, à bientôt. C'est bon, tu peux t'aimer. Donc, qu'est-ce qu'il y a à la poubelle? On va mettre tous les trucs à la poubelle. Ah, j'ai pas coupé. Fire when the strobe hits. Bet you're looking for something new.